kaki! Hey, throw kaki! Hey, throw kaki! À Taïohae, tous savaient que Lucien Kimikete considérait ce lieu comme étant la plus sacrée de toutes les plateformes recensées à Nukuhiva. Pendant près de 2 années, et ce jusqu'à la veille du festival de 1999, il venait y passer de longues journées, de longues heures. Il venait aider les employés communaux, soutenus par quelques particuliers. Et ensemble, ils ont réussi, non sans mal, à réhabiliter l'un des plus beaux sites des îles Marquises, le Tohoku Ewa. C'est un projet qui tenait à cœur Uki d'abord et ensuite Lucien de remettre ce site en état, de le remettre en activité et surtout de le faire vivre parce que ça faisait 150 ans qu'on n'avait pas dansé dessus tous les jours jusqu'à la tombée de la nuit. On le voyait pratiquement pas la journée, on le voyait à peine le soir. Parfois il revenait pour voir comment on pouvait éclairer le site. Bon, à la fin on disait hey, on aimerait bien t'avoir un peu plus à la maison quand même. Ena ka o te nui atu te kau i te po i mamua o. Taube ai ape i a tatou potu. Ia oa ka tenei koi kai koi ka no tatou no tenu aina. Ia oa ka tenei koi kai ha ka ie ia no tatou. Ia oa ka tenei koi ka meha a. Meita ia i tatou potu. No ke ina ka oha nui ia o tou potu i te mai. Ka oha nui ia o tou te apu ia mai te baba o ia menu kuhiva. E ka oha i tatou. Tumata ina o tenu aina ana. Lucien, il était de toutes les danses, à chaque fois, il était tellement heureux de voir ces gens danser qu'il fallait qu'il participe. Donc pour chaque groupe, il a participé dans la danse. Et notamment, la danse qui a le plus frappé tout le monde, c'est quand Fatouriva portait, donc des gens de Fatouriva portaient d'autres sur leur dos. Et il a fait la même chose avec un gars de Rapa Nui. Donc ça a fait rire tout le monde et lui encore plus que tous les autres. C'était à peu près ici. Et il a donc marché comme ça, enfin en courant avec la personne sur lui. Et tout le monde était plié de rire parce que heureusement il n'était pas lourd le Rapa Nui parce que Lucien